Et on salue la famille Cameroun, Guinée, un but à zéro pour la Guinée. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette première mi-temps? Déjà, il faut savoir que d'entrée de jeu, avec l'absence d'un joueur comme Aboubakar Vincent, Son a complètement modifié son 11 entrants avec à l'attaque un certain Toko Ekambi, Franck Magri à l'aile, Kevin Koudou à gauche, Franck Magri qui est un attaquant qui se retrouve ailier droit avec Castelletto derrière. Vous comprenez que la communication entre les deux ne peut pas être ça. Parce que Franck Magri, c'est un attaquant. Il se retrouve milieu de couloir avec on appelle qui là avec Castelletto. Ça peut pas donner au milieu de terrain. Franchement, moi avant ce match, je pensais que on devait posséder, avoir la possession de balle. Vous comprenez un peu, on a un peu vu le Mozambique jouer hier, on a vu le Cap-Vert. Les gars ont la possession de balle. Pour cette première mi-temps, j'ai trouvé les Guinéens trop sud. Ils n'avaient pas peur. Je les ai trouvés agressifs, je les ai trouvés techniques. Nous, on n'est pas parvenu à faire deux passes entre deux joueurs. On n'est pas parvenu à se faire trois passes. Il n'y avait pas de compte. On se disait que c'est un peu comme des étrangers qui se retrouvent à jouer. Vous comprenez? Ce but qui vient à la 9e minute, sur une faute de Kemen, un ballon qu'il aurait pu peut-être envoyer ça là-bas, il renvoie derrière et c'est une passe décisive. Le joueur, il a mis dedans. Vous comprenez un peu? Et on s'est dit que bon voilà, les Lions sont blessés, ils vont réagir, ils vont rugir. On n'a pas vu les joueurs, les Lions rugir. On a l'impression que depuis que le coach a pris cette équipe, on n'a pas d'âme, il n'y a pas. Bon, ce n'est que le début de la CAN. Ce n'est que le début. Le Ghana, qui est aussi favori, a été battu hier. Je ne dis pas que nous aussi, on doit perdre parce que le Ghana a perdu. Vous comprenez un peu? C'est pas ce que je dis. Hein? Donc, c'est pas parce que Ghana a perdu que nous aussi nous devons perdre. Mais je pense que cette équipe de Guinée est prenable. Et nous, on veut que les joueurs Lyon, les Lyons sur le stade, sur le terrain, on veut sentir la rage. Je sais qu'il y en a qui vont venir dire critiquer. Non, mon frère, on est le Cameroun, tu vois un peu. On veut la rage. On veut savoir que non, on veut comprendre que les gars sont en train de jouer. Vous comprenez un peu? On va voir ça. On voit le hemlé, comme on dit souvent. Donc parfois, on va accuser le coach, mais les joueurs aussi ne se donnent pas à 100%. Et la défense aussi, je ne sais pas ce que vous pensez de la défense. Hein. Est-ce qu'on a une bonne défense? Est-ce que nous avons une bonne défense? Vous comprenez un peu? Dites-moi un peu en commentaire, est-ce que nous avons une bonne défense, les gars? Est-ce que vous avez confiance à cette défense-là? C'est un peu comme si on a composé une défense avec des gens qui ne sont même pas faits pour être défenseurs. Il n'y a pas de patron. Cette défense-là n'a pas de patron. Quand je dis patron, c'est un monsieur, un peu comme avec le Sénégal, on a Koulibaly, c'est le patron de la défense. On sait que c'est lui le patron. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Donc là, on encaisse la 9e minute face à la petite Guinée. C'est vrai, vous allez me dire que depuis un certain moment, il n'y a plus de petites équipes. Pourquoi? Parce que avant, on disait que ces équipes-là viennent, sont là pour apprendre. Ils viennent pour apprendre. Mais depuis un certain moment, il n'y a plus de petites équipes. Vous avez vu le Cap-Vert. Les gars posés, ils ont posé le ballon. Ils jouent sans complexe. Et moi, je trouve que la Guinée aussi est en train de jouer sans complexe. Comme pour dire que. Voilà, malheureusement, ils ont eu un carton jaune, un joueur est sorti. Ils sont 10 désormais. Nous, il faut qu'on profite pour marquer. Donc, si son équipe ne marque pas avec cette équipe guinéenne handicapée, il faut les battre. On ne veut pas l'égalisation. L'équipe du Cameroun, on ne veut pas d'égalisation. Vous avez vu le but? Olivier Kemen, il y a pas de faute. Parce qu'il s'est relevé pour dire qu'il y a pas de faute. C'est une erreur, un ballon que non, tac, on fout ça dehors, on aurait dû tout simplement balancer la balle là-dehors. Bon, c'est aussi que Toko Ekambi est venu un peu, voilà, se mettre en face de lui. Bon, vous les gars, ce match-là, qu'est-ce que vous pensez de ce match?
Parce que j'ai vu, quelqu'un a écrit quelque part que un match comme ça, il faut regarder ce match-là avec beaucoup d'eau. Parce que voilà, il y a des palpitations. Nous, on n'imaginait pas l'équipe du Cameroun être en train d'être menée en ce moment-ci. On n'imaginait pas ça. Donc, on va se retrouver pour la deuxième mi-temps en espérant que le coach Rigobertson va causer avec ses joueurs et qu'ils vont nous ramener une victoire. On l'espère. Castelletto ne joue pas dans son poste. Oui, il y a ça aussi. Tu vois un peu, c'est Tchamadou qui est latéral. On lui met Castelletto. C'est un peu comme si on vous fait plaisir à Castelletto. Mettez-nous les joueurs, mettez-nous les gars, que c'est leur poste. On a vu Tchamadou ici. Il a prouvé qu'il pouvait jouer. Mettez les vrais joueurs à leur poste. Ça, on va encore nous dire quoi? Il est en train d'apprendre l'équipe. Mais sérieusement, les gars, on va encore nous dire quoi? Que lui, il étudie encore le jeu. Depuis combien de temps? Avec combien de matchs? On n'a pas. Tchamadou là pouvait jouer latéral. Donc, c'est un peu comme si on est toujours en train d'étudier les joueurs. On sait trop quoi dire, les gars. Même la bière que moi je suis en train de boire, ça ne descend plus. Ça ne descend plus, gars. La bière fait comme l'eau dans ma bouche. Ouais, et toi, être triste. Ouais, et toi, être triste, les gars. Et toi, être triste, gars, et toi. La vie, et toi. Il est triste. Oui. Ma bière ne descend plus. Depuis, je sais, ça ne descend plus, les gars. C'est comme l'eau dans la bouche. On marque les lions indomptables du Cameroun à la 9e minute. On s'en va jusqu'à la 45e minute. On n'a pas égalisé. On n'a même pas tiré au goal. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas tiré au goal là. On n'a pas tiré au goal. Le coach nous vient avec son système de jeu. Le système de jeu de coach sont là. C'est un système de jeu avec les techniciens, avec les joueurs qui savent utiliser la balle, les techniciens du ballon. Mais nos joueurs-ci ne sont pas faits pour le système-ci. Notre bon système, c'est le 4-4-2. 4-4-2. Quand on nous laisse l'affaire là, qu'on vient avec le jeu des blancs, on veut faire ceci là, on veut dribbler, on veut construire. On construit quoi? On construit quoi? Ramène le système, son n'a même pas, lui-même n'a pas joué avec le système si. Réalité, quand il joue au ballon, ouais, peu. On doit nous ramener l'ancien système, la bagarre. Ça joue dur, ça cogne. Un milieu de terrain dense avec deux attaquants, un fixe, l'autre est mobile. Ils font un contre un ou bien, je sais pas, une, deux entre deux doubles et ils tirent au marque. On joue avec un seul attaquant. Toko Ekambi n'a pas tiré au goal. Toko Ekambi n'a pas tiré au goal. Il n'a même jamais été dans la surface pour recevoir un ballon de la tête. Vous avez compris? C'est la vérité que vous dites. Il n'a jamais été dans la surface pour recevoir un ballon de la tête. Et pourtant, c'est l'attaquant. On a aussi, voilà, on prend Magri, il fait les centres qui partent toujours au point de corner. Devant Koudou, tu es ailier. Mais tu es aussi un attaquant. Il y a un ballon que tu as dribblé, tu as croisé. Frappe le ballon, tu me fais encore un contre, un dribble, un intérieur qui. Tu pars à l'extérieur, le ballon, tu pars, tu fuis. Le goal est devant toi. Tu fais le premier crochet. Le gars, le défenseur est battu. Tu crochets encore. Bon, pas. Tu vois. Souvent, on dit que l'Arabie Saoudite, là, ça détruit le jeu. Parce que même Koudoukou, là-bas, il marque le but ici, ça devient difficile. Toko Ekambi, on lui met attaquant. Toko Ekambi, on devait le mettre au banc. On met l'autre. On a deux attaquants. On a Magri. On a aussi, c'est Paris. Je ne comprends pas pourquoi on met un vrai attaquant au banc. On met Toko qui n'est pas attaquant, qui est lié. On a joué au match amical avec Moumingamale du côté. Le coach Rigobertson, il ne comprend pas. Il nous... C'est-à-dire que je ne sais pas.
Moumbagna, justement, mettez un vrai attaquant. On pouvait mettre Toko Ekambi à la place de Magri. On met Koudou là-bas. On met... Bon, c'est le travail du coach. Hein. Je sais que vous avez même dit que je parle pour le coach. Voilà, je ne parle pas pour le coach. Mais en tant que Camerounais, on donne notre avis. Et c'est normal. On n'est pas pour critiquer. Mais on donne la canne, mon frère. Ce n'est pas un match de préparation. Et ben, match de préparation. Ouais, un peu, non? Voilà à peu près la situation. Aujourd'hui, on est là, en train de pleurer. La Guinée, gars. Hé, hey, Seigneur Jésus. Après, on va jouer la Gambie. Et le Sénégal. Ah, putain. Faut gagner le match, hein. Faut gagner le match. Oui. Parce que Cameroun. Faut gagner la Guinée. Après, on doit gagner la Gambie. Pour 6 points. Parce qu'au Sénégal, ce sera compliqué. La vérité, ce sera compliqué avec le Sénégal. Faut gagner. On doit gagner, les gars. Pour la. C'est bientôt la reprise. Hein. On se retrouve dans 45 minutes pour célébrer la victoire de Lyon. On espère. De tout cœur, on se dit à très bientôt, la famille. Ciao.